C'est le parcours du combattant. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Assalamu alaikum pour les autres. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une petite vidéo. Ce sera un hijab tutoriel, le style d'un mannequin sur YouTube. C'est vrai qu'elle a changé de pseudo, c'est plus un mannequin, mais Amina Official. D'ailleurs, si vous voulez savoir ma chaîne anglaise, parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui me mettent en commentaire, qui veulent savoir le nom de ma chaîne, je mets maintenant le nom de ma chaîne anglaise en barre d'infos. Donc si vous êtes intéressé, c'est Anna Hijabi ou Flower of Sky Hijab. Et j'espère faire pas mal de vidéos, en tout cas des vidéos lifestyle, des FAQ, des vidéos type mariage que j'ai déjà fait sur cette chaîne là, mais en version anglaise, parce qu'il y a pas mal d'entre vous, telles que des filles somaliennes, qui veulent savoir comment j'ai fait pour me marier avec quelqu'un de français. Donc mon mari est français. Anyways, et donc je mettrai le lien de ma chaîne en barre d'infos, tout simplement. Ensuite, pour la suite de la vidéo, je vais vous faire ce hijab style. J'espère que ça va vous plaire. Je l'ai déjà fait il y a très longtemps, donc il y a peut-être 2-3 ans sur ma chaîne. Mais j'essaie de refaire mes vidéos pour donner un petit coup de nouveau, tout simplement. Donc c'est un hijab style que un mannequin, c'est la signature hijab, je sais pas comment dire, mais c'est sa signature niveau hijab en tout cas. Elle fait ce genre de hijab style tout le temps. Dans toutes ses vidéos, si vous regardez les photos en miniature, c'est vraiment ce genre de hijab style qu'elle fait. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si vous voulez voir comment j'ai fait ce hijab, n'hésitez pas à regarder à la suite de la vidéo. Tout d'abord, je épingle le tout en bas. En fait, il faut avoir les deux côtés de la même longueur, que ça soit égaux. Je vais tourner le premier côté assez serré en fait. Donc là, je vais tirer. C'est pas le genre de voile que j'utiliserai vraiment pour des hijabs tuto, parce que c'est un voile assez dur, mais préféré tout ce qui est mousseline de soie, le rendu sera plus joli, le drapé aussi. Donc c'est juste qu'en fait j'avais pas de foulard en mousseline de soie de cette couleur là et ça va avec mon pull. Donc là je vais juste faire des plissés un petit peu partout, et comme ça. Ensuite, je vais épingler le tout avec une petite épingle. L'autre côté, vous savez, qui reste, vous allez juste l'attacher loosely. Donc c'est avec vraiment... là, c'est serré, mais là, c'est pas serré du tout. Il faut vraiment que ça soit large et détendu, on va dire. Et on va attacher... on va essayer de créer d'une façon assez jolie pour que qu'on ait un super joli rendu. Donc... vous pouvez mettre du temps quand même pour trouver le drapé que vous voulez. Le hijab style, je trouve qu'il est joli, vous pouvez autant le serrer que le desserrer. Et il faut trouver aussi la façon qui est la plus appropriée, la plus jolie. Une fois que vous avez trouvé la façon parfaite et appropriée pour vous, vous épinglez à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc ça peut être autant serré que pas serré, autant la serrer que loose. C'est un hijab style qui change et qui s'adapte à la façon dont vous voulez porter le voile. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la qualité de vidéo également vous plaira. Donc j'essaie aussi de faire un effort niveau qualité de vidéo, parce que comme vous le savez, moi j'aime beaucoup regarder les vidéos qui sont propres. Et c'est vrai que mes vidéos ne sont pas forcément toujours propres, dans le sens nickel, chrome, bien monté. N'hésitez pas à vous abonner ici, il y a écrit s'abonner, ou bien voir le lien en barre d'infos, il y a également le lien direct pour vous abonner. Et puis bah, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Si vous voulez d'autres hijab style, n'hésitez pas à me donner des références. J'essaierai de les faire prochainement. J'ai mon notebook, donc un petit book où j'écris tous mes inspirations, etc. Donc j'ai pas mal de vidéos qui vont venir prochainement et j'espère que ça va vous plaire. Assalamu alaikum.